retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai pas fait depuis très longtemps. Voilà. Déjà parce qu'il y a eu le confinement et on pouvait pas en faire. Puis parce que j'y vais très rarement maintenant. Donc, comme vous avez vu dans le titre, c'est un haul action, mais c'est un petit. Alors, c'est un haul que j'ai fait en plusieurs morceaux. Enfin, j'y suis allée en 4-5 fois. Et bon, j'ai vraiment pas pris grand chose. De toute façon, les rayons sont pas pleins hein, encore en ce moment. Voilà, ils ont encore du mal à cheminer les livraisons pour que les rayons soient pleins. Donc, tant mieux pour le portefeuille, on va dire. Mais de toute façon, bon, je ne suis plus du tout accro comme avant. Je trouve que ça ne sert à rien. Je préfère aller chercher quand j'ai besoin de quelque chose. Ou vraiment, sauf si je vois une nouveauté, comme ce matin, qui m'intéresse et que je sais qu'elle va me servir. Voilà. Je ne veux plus acheter pour accumuler et laisser de côté et puis après faire un live sur YouTube pour tout revendre hein, comme j'ai déjà fait. Ça sert strictement à rien. Voilà. Je pense que plusieurs d'entre nous ont le même état d'esprit maintenant. Bon, les accros d'action vont peut-être me lyncher quand je dis ça, mais bon, j'ai été une accro hein, aussi d'action. Je ne dis pas que je ne vais plus du tout à action. Hein. Bon, j'y retourne aussi pour acheter des choses pour la maison, pour acheter quand quelque chose est beaucoup moins cher là au lieu d'un autre magasin. J'essaye quand même d'aller voir à action si je retrouve le même et moins cher. Voilà. Mais sinon, j'y vais plusieurs fois par semaine. Pour remplir le sac et ressortir avec des trucs qui ne me serviront pas ou qui me serviront rarement ou qui seront là juste pour remplir l'atelier. Voilà. On va dire je suis devenue raisonnable. Et donc voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Comme je dis, il n'y a vraiment pas grand chose. Mais bon, voilà. Alors la première chose que je vais montrer, bon, ça vient pas d'action, mais là j'en avais besoin parce que j'en avais déjà un, mais qui a cassé, justement, donc c'est pour ça que j'en ai racheté un. Comme le mien a cassé, il fallait que je change. Et donc ça, je l'ai acheté à Aldi, comme c'est en ce moment, il y a beaucoup de promos aussi pour les rentrées scolaires, donc j'ai pu le trouver en faisant mes courses à Aldi, j'en ai vu un, donc j'ai dit je vais le prendre. Comme j'en avais besoin, c'est juste un compas, voilà. Et en plus, bon, c'est une marque, voilà, c'est Mapette. Et celui que j'avais avant venait d'Action justement, et lui a rendu l'âme. Donc ça, j'en avais besoin. Hop, on va enlever la petite étiquette de la marque Mapette. Alors là, j'ai plus le ticket par contre, mais je crois que je l'ai payé 2,90 €. Dans ces eaux là, donc ça va. Donc il m'a l'air très solide. Bon, je m'en suis déjà servi une fois, mais vous voyez, le voilà. Donc hop, là il y a la petite protection pour la pointe, voilà, avec la petite mine. Alors il y a une mine, bon ça c'est dommage, il y en a qu'une. Il y a une mine de rechange seulement, voilà. Bon, ça on peut en trouver hein. Et j'ai ça, alors ça voilà, ça je l'avais pas dans l'autre, c'est parce que vous pouvez donc j'ai pas encore regardé, mais on peut le placer là, voilà, on le dévisse, je crois qu'on vous dévissez cette partie là, hop, et à la place vous mettez alors je crois que il faut que je regarde, je m'en suis pas encore servi, j'ai pas encore regardé comment on le mettait exactement, mais bon, à la place on met un crayon, voilà, donc ça peut être pas mal.
ou pour mettre des crayons de couleur, par exemple, si vous, faire, vous voulez faire des cercles avec des crayons de couleur. Voilà. Donc, pour le prix, et il m'a l'air très solide parce que là, il est en métal. Voilà. Pas en plastique comme celui que j'avais eu à Action, justement. Il est... on voit qu'il est quand même... on va pas dire lourd, mais on voit qu'il fait son petit poids. Donc, je suis contente d'en avoir retrouvé un et surtout d'avoir trouvé un qui est de MAP. Et MAPED, je ne sais pas si c'est une marque. Alors, oui, c'est une marque française. Donc, alors, je regarde bien. MAPED. Ah non, c'est pas une marque française, excusez-moi. Alors, MAPED, dernière. Si, c'est une marque française. Il y a plusieurs adresses. Bon, de toute façon, il n'y a aucune adresse en Chine, donc ça, c'est déjà bien. Derrière, ils mettent l'adresse du Canada, l'adresse de l'Italie, l'adresse russe, l'adresse française. Mais bon, ils ne marquent pas. Il est marqué Mexico. Bon, mais c'est pas marqué de... Mais je crois que MAPED à la base, c'est français. Ouais, je crois que MAPED à la base, c'est français. Voilà. Donc ça, j'avais eu à Aldi, 2,90 €. Voilà. J'ai repris, donc maintenant, à Action. Alors, comme je vous avais dit l'autre jour, j'allais reprendre les pinces pour mon cartonnage. Voilà, donc ça j'en ai repris. Donc c'est, je ne vais pas déballer ceux-là, mais c'est ces petites pinces-là, voilà, qui vont super bien. Du coup, je m'en suis déjà servie. Et du coup, j'en ai repris 3 paquets. Comme ça, j'en ai 10, 20, 30, 40. Là, je suis tranquille. Ça me fait 40 pinces. Là, je peux faire des grosses pièces maintenant. J'ai ce qu'il me faut en pinces. Et ça, c'était 99 centimes le paquet. Donc, et elles vont bien. On m'avait dit qu'elles feraient des traces sur le carton et le tissu. Et j'ai essayé, donc sur le carton, on va dire, parce que quand on met la colle, le carton est humide. Hein, je n'ai aucune trace. Voilà. Donc j'ai essayé, comme on m'avait dit, avec rajouter un petit bout de carton pour ne pas abîmer. Et puis j'ai quand même fait ma têtue, j'ai dit je vais quand même essayer 100 mètres de bout de carton, direct, et je n'ai eu aucune trace sur mon travail. Donc voilà. Donc c'était très bien. Ensuite, alors j'ai trouvé ces petits blocs, voilà, donc j'en ai pris 2, c'était les 2 derniers du rayon. Et je sais qu'ils ne vont plus les faire parce que le code barre était barré. Voilà, donc là j'ai enlevé le scotch d'un seulement pour vous montrer. Alors, il y a des petits défauts sur certains. C'est, on va dire que c'est embêtant, oui et non. Bah, surtout sur les 2 premières, j'ai des gros défauts. Mais sinon, ça va. C'est tout du noir et doré. Alors, je vais vous montrer. Sur les 2 premières, vous voyez, il y a des petites taches. Alors, le premier, ça va. Il y a des petites taches. Le deuxième, vous voyez, il y a des grosses taches. Ça va être plus difficile à cacher. À moins de mettre des perles, des perles, des perles, des perles, mais bon. Alors, voilà les modèles. Donc, il y en a 2 de chaque. Et ça, je vous dis, ils ne le font plus. Donc, s'il en reste dans vos magasins, prenez-les parce qu'il n'y en aura plus. Celui-là, j'aime bien. Voilà. Donc ça, j'ai pris, c'est pour faire mes cartes. Celui-là, j'aime bien. J'adore celui-là. Voilà. Celui-ci aussi, joli. Donc, il y a toujours, c'est toujours du doré. Hein. On voit peut-être pas toujours bien la caméra, mais... Voilà, les petites étiquettes. Voilà.
des petits cœurs, encore les petites étiquettes. Voilà, celui-là est joli aussi. Les petits diamants. Et le dernier. Voilà. Donc ça, j'en ai pris deux. Alors ça, par contre, j'ai payé ça combien? Alors, il faut que je retrouve sur mes étiquettes. Je sais pas. Je ne sais plus. Alors, 1,09. Voilà. Ouais. 1,09. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est ça. 1,09€ pour un. Ensuite, alors j'ai trouvé ça. Je ne sais pas si les articles sont nouveaux. Donc là, j'en ai pris un de chaque. Il y a 6 modèles. J'en ai pris 5. Le 6e ne me plaisait pas. Parce que le 6e avait des motifs dessus, d'oiseaux, de fleurs, tout ça. Et moi, ce que je veux en faire, je ne voulais pas de motif dessus. C'est du papier stickers marbré. Et avec du foil, bien sûr. Bon, voilà. Donc, je vais voir ce que ça donne. Alors, je vais en ouvrir un. Je ne vais pas tous les ouvrir, peut-être. Hop. Je ne sais pas encore ouvert. Je n'ai pas encore essayé pour voir ce que ça donne en passant à la Big Shot, par exemple. Il faut que je vois. Voilà. Donc les couleurs par contre sont jolies. Voilà. Alors niveau épaisseur, bon, ça c'est pas très très épais, mais je vais voir. Alors je vais essayer d'en décoller un sur le bord pour voir niveau. Alors, si j'arrive à le décoller déjà. Voilà. Oh, ça a l'air de bien coller. Yeah. Voilà. Bon, donc, du coup, quand on décolle la pellicule, c'est vrai que le papier est assez fin. Vous voyez, on voit bien, on voit vraiment bien à travers. Donc, je ferai un essai, je passerai la Big Shot et je verrai ce que ça donne. Voilà. Donc, je vous montre les modèles que j'ai choisis. Voilà, vous avez les couleurs ici. Donc, il y a rose, il y a marbré multicolore, il y a jaune. Voilà, je vais vous les montrer comme ça. Mais je ne vais pas tous vous les passer, je pense. Alors, il y a combien de feuilles? Il y a 2 feuilles de chaque couleur. Voilà. Voilà. S'en servir aussi entier hein, pour faire un fond de carte. Voilà. Donc il y a combien de modèles? Alors il y a il y a 5 il y a 5 modèles par carnet et donc il y a 2 feuilles de chaque. Voilà, je vous montre les couleurs. Et ça c'est 79 centimes. Donc voilà, le premier. Le deuxième, donc là, il y en a 2 qui sont un peu noirs. Voilà. Le troisième, dans les tons un peu pastels. Vous voyez, rose, un bleu, un mauve, un vert et blanc. Et là, le foil est argenté. Voilà, donc celui-là, c'est argenté. Les deux premiers, c'est doré. Ici, c'est... Ah, celui-là, il y a des motifs.
Je l'avais pas vu. Enfin, c'est des motifs géométriques. Le scotch, je vais essayer de prendre ma lame, si je la trouve. Oh, je ne sais plus où j'ai mis ma lame. Ah ben, je vais prendre mon petit cutter, ça va aller mieux. Voilà. Yeah. Là, il y a des petits motifs géométriques. Là, il n'y a que des petits points, mais en haut. Donc, celui-là, pour faire une découpe, ça ne va pas le faire. Que je m'en sers pour faire vraiment un fond de carte. Et celui-là, ça fait comme un petit mur. Voilà. Donc, celui-là, un peu plus difficile à passer en découpe. Et celui-là... Alors, attendez. J'ai fait... Ah, mince, j'ai pris deux fois le même. Ah bah oui, j'ai pris deux fois le même. Mince. Bon, bah alors je n'ai pris que quatre modèles. Ouais, j'ai pris deux fois le même. Bon, c'est rien. C'est pas grave. Donc cela, c'est donc 79 centimes. Ensuite, alors en ce moment, j'ai regardé ce matin, il n'y a plus de des cartes avec les enveloppes pour faire nos cartes, il y en a, mais alors strictement plus du tout. Il n'y a même plus les pochettes pour emballer les cartes. Donc, bon, elle m'a dit qu'ils vont en ravoir, mais quand? Mystère et boule de gomme. Bon, pour l'instant, j'ai encore du stock, hein, mais... Alors, ce matin, j'ai pris ça. Il est où mon ticket de ce matin? Il est là. Alors, c'est 89 centimes. Alors, c'est du cardstock métallique. Alors, toutes les feuilles sont de la même couleur. Donc là, c'est un blanc écru. Alors, voilà, vous voyez. Et là, c'est un peu beige. Voilà, il n'y avait que ces deux couleurs-là. Il ne restait que trois paquets, de toute façon, dans le rayon. J'en ai pris qu'un de chaque. Comme ça, si quelqu'un en avait besoin, j'ai laissé un paquet. Ensuite, alors là, je pense que c'est une nouveauté. Ce que j'avais vu sur le groupe Action fait son scrap. Voilà, j'avais vu ça ce matin. Donc, c'est des dies, mais je ne les ai pas tous pris parce qu'ils ne me plaisent pas tous. Et parce que ça m'aurait fait des doublons avec ceux que j'ai. Voilà. Donc, c'était pas la peine. Donc, je n'ai pris que ceux que j'étais sûre de ne pas avoir et ceux qui me, et puis ceux qui me plaisaient. Je les ai pris donc ça ce matin. Alors, la plaque de dies coûte 3,39 €. Là, ça pique un peu, mais bon. Ça pique un peu. Si Action, non. Hein, mais bon. Alors, celui-ci. Voilà. Alors, ça, j'en voulais un déjà depuis un moment. Comme ça. C'est pour faire... Pardon. Voilà, ce style de carte plié avec la découpe qui peut bouger. Voilà. Donc avec les petites fleurs. Donc ça faisait un moment que j'en cherchais. Il y en a partout, mais ça faisait un moment que je voulais m'en prendre. Ici, des feuilles. Voilà, les feuilles avec. Ça aussi, j'aime bien. Ça, des feuilles, j'en ai pas beaucoup. Donc, voilà ce que ça donne. Et celui-ci. Alors, je l'ai pris. Alors, vous allez me dire, ça, c'est quoi ça? Donc là... deux troncs d'arbres, hein, ou des branches, comme vous voulez. Et tout ceci, voilà ce que ça donne. Un petit renard. Tout mignon. Voilà. Donc ça, je l'ai pris pour le renard et les petits troncs d'arbres. Voilà. Donc là, en dies, c'est ce que j'ai pris. C'est tout. Donc il y a
Pareil, il doit y avoir 6 plaques, je crois, 6 modèles différents, 6 ou 8, je ne sais plus. Il y a des tags avec des mots, c'est toujours pareil, c'est toujours des mots anglais. Donc, j'en ai marre de trouver des trucs avec des mots anglais. Il y avait des papillons. Les papillons, ouais, j'en ai. Hein. Il y avait. Je sais plus, il y avait d'autres trucs, mais bon, ça me plaisait pas. Des tampons. Pareil, je ne les ai pas tous pris parce qu'ils ne me plaisaient pas tous. Donc, je n'ai pris que 2 plaques de tampons. Alors, les tampons, eux, sont à 79 centimes. Alors, je les ai pris surtout ceux-là pour les petites enveloppes qu'il y a dessus, pour le diamant. Voilà. Vous voyez ? La petite enveloppe là, celle-là, le petit diamant, la petite clé, le petit pot avec les petits cœurs. Tout est joli dans celui-là. Mais là, c'est pareil, je ne sais pas tous pris parce que bon, il y en a un, c'était avec un grand verre à cocktail. Il y en avait un, c'était avec des bocaux, mais les bocaux, j'en ai déjà. Donc, c'est pour ça, bon, maintenant, je n'achète plus toute la série complète parce que si je sais qu'il y a déjà des modèles que j'ai dans mon classeur, je ne vais pas reprendre pour faire des doublons. Alors, ça aussi, ça, j'en ai pas beaucoup, ou même pas du tout. Donc, j'aime bien, c'est assez fin. Pour mettre sur des cartes, je trouve ça très joli. La petite banderole, là, toute jolie, vous voyez, la petite guirlande plutôt, très très fine. Voilà, donc en tampon, je n'ai pris que ces deux-là également. Donc c'est pareil, la série est assez. Il y en a 6 ou 8, je crois. Et donc ce mois-ci, j'ai pris 3 blocs 30-30. Pas d'un coup, hein, je les ai pris courant du mois, hein, de temps en temps. J'ai pris celui-là, le Soft Vintage. J'adore le vintage, hein, si vous savez, comme vous savez. Alors, je vais essayer de vous montrer comme je peux. Voilà. Alors là, c'est une seule face, hein, celui-là. Donc celui-là, il est avec du foil. Alors là, il y a... Alors, je regarde, attendez. Là, il y a une... Oui, alors c'est une page sans foil et une page avec du foil. Voilà, c'est ça. Voilà, vous voyez. Donc, il y a toujours une page avec et une page sans. Ça, la page d'écriture, j'aime bien. Bon, il y a des pages qui sont un peu plus difficiles à passer en carte, mais elles peuvent passer du coup en scrap. Hein. Ces blocs-là servent pour plusieurs choses. Hein. Là. Oups, pardon, vous n'avez pas vu les dernières. Je vous les remonte. Ça a glissé, chef. Les petites, c'est joli ça. Ça fait tous des petits courriers. Et la dernière. Mais la dernière, c'est la même. Ils l'ont pas mis en folle là, mais c'est la même. Voilà. Donc j'aimais beaucoup. Je vais le poser là. Celui-ci, alors celui-là, j'ai trouvé très joli, très tendre. Là, est-ce que c'est du double? Oui, c'est du double. Il y a un motif de chaque côté. Alors, je vous montre un côté à la fois. Hein. De toute façon, le deuxième côté, vous allez le voir après. Avec des petits toutous, du marbre. Là, c'est quoi? Des petites fleurs. Encore du marbre. Voilà. Donc là, maintenant, vous allez voir la deuxième face. Et celui-là, il est joli.
Ça, les grandes comme ça, c'est bien pour faire des cartes. Parce qu'en scrap... Alors, hop. Celui-là, avec les petites filles. Il y a beaucoup de marbre hein, dans celui-là. Voilà. Donc, et le dernier, un black and gold. Ça, ils en sortent tous les ans. Hein. Ça, j'aime beaucoup. Les noirs et dorés. Donc, c'est une seule face. C'est un recto seulement. Donc, pareil. Un simple et une page avec du doré. Là, toutes les petites étiquettes. Toujours écrit en anglais, malheureusement. Mais bon. Alors, allez pour la page. Ah, allez voir. Ça, c'est dommage. C'est qu'on ne trouve pas, on trouve pas rien écrit en français, action. J'aime bien parce que les motifs sont assez petits, donc assez faciles à passer. Là, de grandes étiquettes. Toujours en anglais. Et je crois que c'est la fin. Oui, c'était tout. Donc voilà, vous voyez, j'ai été raisonnable. Bon, tout ça, c'est sur le mois de juin et juillet. Hein. Donc... J'étais très très sage. C'était ouais, sur l'histoire de un mois. Donc, ah oui, je ne vous ai pas dit les prix de ça. Alors les prix des blocs. Alors, il y en a qui sont à 1,99. Ça doit être les simples, je pense. Et celui-là... 2,69, je sais que c'est celui-là. 1,99. Bah, c'est un de ces deux-là. Je ne sais plus, excusez-moi. Et donc, il y a un de ces deux-là qui est à 2,69 aussi. Ah ben bah, voilà, oui. 2,69, celui-là. Et le noir, voilà, de 69, c'est de là, parce que c'est le, avec le foil, quand vous avez le rond marqué foil, c'est 2,69. Et celui-ci, donc, je viens de vous dire, 1,99, c'est ça? Ouais, 1,99, celui-là. Donc, voilà, j'étais très, très sage. Donc, dans la semaine, je vous ferai des créations avec tout ça. J'essaierai surtout ça. Pour vous dire ce que j'en pense, on verra comment ça passe sur la Big Shot. Hein. Puis, sinon, on s'en servira en fond de carte. Je verrai bien. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc c'était ma petite vidéo mini haul. Attendez, les chiens de voisins. Alors, je rigole parce que mon autre voisin ici à côté a maintenant des poules, un canard. Bon, ça, moi j'adore, hein, il n'y a pas de souci. Mais il a mis un coq. Ça, ça ne me dérange pas non plus. Mais alors, c'est depuis hier. Hein, il fait cocorico. Mais alors, toute la journée. Du matin jusqu'au soir. Moi, je m'en fous. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais je crois que je pense qu'il va y avoir des voisins qui vont péter les plombs. Il y a toujours des cons hein, sur Terre, mais bon. On est à la campagne. Hein. Mais bon, on verra bien. Ça fait de l'ambiance. Cocorico! Alors ça, là et là, les chiens, ça met de l'ambiance. Youpi. Enfin, je préfère entendre le coq que les chiens aboyer toute la journée. voilà. Bon,
c'était ma petite vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. Donc, je vous ferai des créas dans la semaine avec tout ça. Des petites cartes. Voilà. Et on se retrouve, nous, très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos et plein de belles choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.